La clôture de la première session ordinaire du Sénat s'est tenue cet après-midi au palais Omar Bongo Ondimba. La cérémonie dirigée par le président de cette institution, Madame Docteur Lucie Milebou Ebusson, épouse Mboussou, s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issozengonde, Cédric Nzenge Lomas, Félix Moudibangoui. Au sortir de 90 jours d'activité législative, les vénérables sénateurs retrouvent leur base politique à l'occasion de cette intersession parlementaire qui s'ouvre. Présidant la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire 2017, le président du Sénat, Lucie Milebou Obusson, épouse Mboussou, est revenu dans un premier temps sur les conditions de travail un peu particulières observées au cours de cette session. L'activité parlementaire s'est déroulée dans des conditions de pénibilité inhabituelles, cependant avec calme et sérénité. Les débats ont été riches et féconds. Les sénateurs ont examiné et adopté les textes législatifs qui leur ont été soumis en ayant comme seule et unique priorité l'exaltation des valeurs de la République. Actualité politique oblige, le dialogue politique a figuré en bonne place dans l'adresse du président du Sénat. L'actualité a été dominée par le dialogue politique inclusif et sans tabou. Un accord est intervenu après d'âpres négociations. Des solutions concrètes ont été proposées, assorties d'une volonté forte de tous les acteurs politiques et de la société civile pour la mise en œuvre des réformes adoptées par un large consensus. Poursuivant dans le même sillage, Lucie Milebou a magnifié les efforts des autorités en faveur de la protection environnementale. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a une fois de plus porté haut les atouts du Gabon en annonçant aux Nations Unies la création de 20 parcs marins. Cette période de vacances qui démarre devrait permettre aux élus locaux d'édifier leur population sur les différents textes législatifs adoptés pendant ces 3 derniers mois d'activité.